As-tu déjà rencontré quelqu'un de si étonnant que tu avais envie d'en savoir plus sur lui? C'était comme ça pour ceux qui ont rencontré Jésus et ont appris à le connaître. Ils ne pouvaient l'oublier. Nous ne savons pas exactement comment les enfants ont entendu parler de Jésus, mais cela s'est peut-être passé ainsi. Quelqu'un vous a vu? Pas moi. Moi non plus. Toi? Je crois pas. Bon, allons-y. Dis ce que tu veux, Ben. Je crois vraiment que Jésus a été envoyé par Dieu. Juste parce qu'il fait des miracles. C'est peut-être de la magie. Ouais, il n'y a pas d'autre explication. Justement, Joël, je n'ai pas besoin d'explication. Les miracles sont des merveilles que seul Dieu peut faire. Comme aider les aveugles à voir de nouveau? Ouais, je ne crois pas un mot de tout ça. Moi si. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié de nourrir mon âne. Et quand je vous ai entendu parler de Jésus, je voulais savoir ce que vous disiez. Et toi, que sais-tu de Jésus? J'en sais beaucoup. Ma grand-mère connaît sa mère, Marie. Elle m'a tout dit sur lui. Comment il était né et tout ça. C'est vraiment une très belle histoire. Marie était une jeune fille qui habitait à Nazareth. Elle n'était pas mariée, mais elle devait épouser un homme nommé Joseph. Un jour, Dieu a envoyé un ange nommé Gabriel. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Son royaume est éternel. Marie a eu peur de l'ange. Tu sais, si un ange venait me voir, moi, j'aurais très peur. Et puis après? Sachez, homme de Nazareth, que l'empereur César Auguste... Le gouvernement a fait une loi qui ordonnait à chaque homme de se faire recenser dans sa ville natale. Tu sais, écrire son nom sur des papiers. Joseph a donc amené Marie avec lui à Bethléem, où il était né. Quand ils sont arrivés à Bethléem, la ville était pleine de monde et tous les logements occupés. Le seul endroit que Joseph put trouver pour dormir était une étable. Comme celle-là? Tout à fait. Et cette nuit, le petit Jésus était né. Il y avait des bergers sur les collines près de l'étable. Ils gardaient leurs moutons quand soudain, ils ont vu un ange. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. Les bergers sont tout de suite partis voir le bébé. Il était couché dans une mangeoire, t'imagines? Ils ont dû le mettre dans un panier comme celui que j'utilise pour nourrir mon âne. Puis, une semaine après sa naissance, Marie et Joseph ont amené Jésus au temple à Jérusalem, où ils ont rencontré un homme de Dieu appelé Siméon. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse. Dieu avait promis à Siméon qu'avant de mourir, il verrait Jésus. Car de mes yeux, j'ai vu le Sauveur qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. Le bébé Jésus deviendrait la personne choisie par Dieu pour pardonner à tous et partout les mauvaises choses qu'ils pensent, qu'ils disent et qu'ils font. En résumé, le péché. Donc Jésus a été un bébé, et maintenant c'est un homme. Il n'a jamais été un garçon? Mais si, ma grand-mère m'a dit que quand Jésus avait 12 ans, Marie et Joseph l'ont amené ici, à Jérusalem. Jésus est allé au temple discuter avec les chefs religieux. Qui est cet enfant qui pose tant de questions?
Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Après ça, Jésus est rentré avec ses parents. En grandissant, il devenait de plus en plus sage chaque jour. Rendez droit ces sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline. Un jour, Jésus est parti voir son cousin, Jean le baptiseur. Jean baptisait ceux qui voulaient obéir à Dieu. Il a aussi baptisé Jésus ce jour-là. Et tous ceux qui étaient là entendirent la voix céleste de Dieu. Et Dieu dit : Tu es mon Fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. Qu'a-t-il fait après ça ? Il commença à voyager de ville en ville, parlant de Dieu au peuple. Bonjour. Bonjour. Jésus retourna à Nazareth où il avait grandi. Un jour, il est allé au temple. Là, les chefs religieux lui demandèrent de lire le livre de Dieu. La partie qu'il lut parlait du plan de Dieu d'envoyer Jésus pour que les hommes puissent vivre avec Dieu pour toujours. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Oh oui, c'est vrai. Bien. C'est le livre d'Isaïe. C'est le fils de Joseph, le charpentier. Je me demande quand notre Messie va venir. C'est un bon enseignant. Oui, j'en sais aussi. Aujourd'hui, cette parole devient réalité alors que vous l'entendez. La parole s'accomplit. Mais il n'y a que le Messie qui puisse la réaliser. Comment le savoir ? Oui, je vous le dis. Nul prophète n'est bien. Attends, je n'ai pas fini. Jésus descendit à la plage, au lac de Galilée. Avance ta barque plus loin dans les eaux profondes. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour la pêche. Oh maître, nous avons pêché dur toute la nuit, et sans rien prendre. Mais si tu le dis, je lance les filets. Jacques ! Jean ! Jacques ! Jean ! Ah ! Approchez votre barque ! Venez nous aider ! Vite ! Pas possible ! Nous sommes occupés ! On n'est pas trop de ce côté ! On n'en a jamais pris autant ! Mais attention ! Hé, tous par ici ! Incroyable ! Regarde celui-là ! Vas-y ! Vas-y ! Je pense que c'est à ce moment-là que Pierre a compris que Jésus était le Fils de Dieu. Mais Pierre avait peur. Il avait fait plein de mauvaises choses dans sa vie. Il ne comprenait pas que quelqu'un de saint et puissant comme Jésus puisse accepter un pécheur comme lui. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car le péché est en moi. N'aie pas de crainte. Je dois y aller. Ouais, moi aussi, je dois y aller. Moi aussi. Salut. 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 Et où étais-tu, Benjamin ? Avec tes amis, encore ? Oui, papa. Caleb aussi ? Oui, papa. Je t'ai déjà dit, je ne veux pas que tu vois ce garçon. Mais papa ! Tu sais que son père croit toutes ces histoires à propos de Jésus. Mais pourquoi est-ce que c'est mal ? Nous croyons que Dieu va envoyer un roi puissant. Le père de ton ami croit que ce roi est né dans une étable. C'est absurde. Et
si le papa de Caleb avait raison. Non, écoute, Benjamin, on arrête d'en parler maintenant. Oui, père. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, qui pardonnera généreusement. Écoutez, j'ai vu quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Quoi ? Jésus était dans la synagogue où il enseignait l'amour de Dieu. La foule était tassée à l'intérieur. D'autres ne pouvaient même pas rentrer. C'était bondé. Tout le monde voulait le voir. Jésus ! Jésus ! Je te prie de sauver ma fille unique. Oh, maître, aie pitié ! Elle va mourir et elle n'a que 12 ans. Pitié, vite, maître, viens. Jairus, je suis désolé. Laisse le maître, Jairus. Jésus ! Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Ne crains rien. Crois seulement et ta fille guérira. C'est pas possible. Mais non, non, non. Impossible. Il a dit qu'elle irait mieux. Enfant, lève-toi. Donnez-lui à manger. Waouh, ça alors, c'est vraiment arrivé ? Sûr, t'aurais jamais dit qu'elle avait été malade. Mon père dit que les amis de Jésus ne sont pas très clairs. Autrement dit, une bande de pêcheurs. C'est vrai, mais c'est seulement parce que Jésus aime tout le monde. N'importe qui. Mon père m'a parlé d'un homme appelé Matthieu, qui récoltait l'argent de l'impôt à l'entrée de la ville. Suis-moi. Matthieu est une des 12 personnes que Jésus a choisies pour être ses disciples. Ce sont ses meilleurs amis. Ils voyagent partout avec lui pour parler de Dieu. Il y a Simon, aussi appelé Pierre, André, le frère de Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Bartholomé, Matthieu, bien sûr, Thomas, un autre Jacques, un autre Simon, Judas, le frère de Jacques, et Judas Iscariote. Comment te souviens-tu de tout ça ? Il est intelligent. Ça m'étonne pas que tu dises ça, t'es tellement stupide. C'est pas vrai. T'es aussi stupide que ton âne. Hé, brute, c'est mon ami. C'est moi qui t'appelle brute, hein, c'est moi. Laisse-la tranquille. Ah ouais, c'est toi qui vas m'arrêter. Allez, mets-le par toi, vas-y. Ils sont bêtes. Ça fait mal. Ça fera encore plus mal si je lave pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il s'est battu. Je ne te parlais pas, Léa. Pardon. Je me suis battue avec Caleb. Il parlait de Jésus. Lui et ses amis se voient tout le temps dans les tables de Sarah. Je t'ai déjà dit que ces discussions sur Jésus ne mènent à rien. Il n'est pas notre roi et ne sera jamais. Mais papa, je crois vraiment qu'il est le fils de Dieu. Ça suffit ! Tu ne serais pas un peu dur avec lui ? Je ne pense pas. Bientôt, ça n'aura plus d'importance. J'ai entendu dire qu'il y a un traître parmi les soi-disant disciples de Jésus. Si c'est vrai, il ne nous causera bientôt plus de problèmes.
aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez qui vous maudit. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te donne une gifle sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Et à qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta chemise. Et donne à tous ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend ton bien, ne lui demande pas de te le rendre. Faites aux autres ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous. Je voudrais connaître cet homme. Penses-tu qu'il pourrait être notre Messie ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par le Messie ? Ils en ont parlé dans le temple. Le Messie veut dire le promis. Venez vite, on va le suivre. C'est bon, hein ? Avez-vous vu les miracles de Jésus ? C'est difficile à croire. Il est devenu ami avec un collecteur d'impôts et d'autres gens douteux. Que vient-elle faire là ? Je ne sais pas. Cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qu'il touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus ? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme ? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Je veux le voir. Monte sur mes épaules. C'est le Messie. Là, tu le vois ? Ah oui, je vois Jésus. Un jour, un homme sortit pour semer. Et tandis qu'il semait, du grain tomba sur le chemin, il fut piétiné. Et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une partie tomba parmi les pierres. Et après avoir poussé, elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces. Et les ronces levèrent avec le grain et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre. Et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés.
Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Ça m'intéresse. Combien ça coûte? Nathan, Nathan! Tu as entendu? Jésus vient! Ah bon? Il vient ici? Il est en dehors de la ville. Viens, on y va! Désolée de t'avoir frappé, Benjamin. Tu me pardonnes? Maître, dis-leur de s'en aller. Renvoie-les dans les fermes et les villages des environs pour qu'ils se logent et se ravitaillent. Cet endroit est désert. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien à part 5 pains et 2 poissons. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Oh, c'est un miracle. C'est incroyable. Peux-tu toujours ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu? Où étais-tu? Papa, il y a une chose qu'il faut que je t'avoue. Nous sommes tous allés voir Jésus. Pourquoi? Je n'y crois toujours pas, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il a multiplié 2 poissons et quelques pains jusqu'à nourrir toute une foule.
Qui sait, Jonathan? Peut-être qu'il est vraiment le Messie. Ne commence pas, toi aussi, à croire ces sottises. Que devons-nous faire? Dans la loi, qu'est-il écrit? Et comment la comprends-tu? Ton Seigneur Dieu, tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as raison. Fais cela et tu vivras. Mais qui est mon prochain? Un jour, un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Des brigands l'attaquèrent. Il fut dépouillé, frappé et abandonné à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre passait sur cette route. Il vit l'homme, il l'évita et passa de l'autre côté. De même, un serviteur du temple passa, vit l'homme, s'écarta et s'éloigna rapidement. Mais un étranger méprisé, un samaritain, voyageait par là et trouva l'homme. Quand il le vit, il éprouva une grande pitié. Il s'approcha de lui, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il donna 2 pièces d'argent à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te rembourserai quand je repasserai. » À ton avis, lequel des 3 passants s'est montré le prochain de l'homme attaqué par les brigands? Celui qui était bon. Alors faites de même. Ah. Laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera jamais. Qui accueille cet enfant en mon nom, m'accueille moi-même. Ainsi, il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Car le plus petit d'entre vous tous est le plus grand. S'il vous plaît, amen. Amen. Hey, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. S'il vous plaît, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois! Je vois de nouveau! Oui, je vois! Seigneur, maître, sauve-moi! Guéris les aveugles! Seigneur, Seigneur, sauve-nous! Sauve-nous! Dieu soit loué! Seigneur, montre-nous le chemin! Arrêtez, arrêtez! Je le vois aussi. Le voilà! Pourquoi est-ce qu'il monte sur l'arbre? Il est trop petit pour voir Jésus. Zachée, descends et fais vite! Car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? C'est le dernier endroit où j'irai, moi. C'est un collecteur d'impôts. Comment Zachée connaît-il Jésus? C'est un collecteur d'impôts. Pourquoi est-ce qu'il va chez lui? Non, c'est très bon. Oui, c'est délicieux. Passe-moi le pain, s'il te plaît. Formidable. Ah, très, très bon. Excellent. Merci. Tu veux encore un verre, hein? Ah oui. Ah. Voilà. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Je n'y crois pas, je rêve.
un collecteur d'impôts qui rembourse. C'est impossible. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Écoutez. Nous montons à Jérusalem. Ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux païens. Soumis aux moqueries, on l'insultera, on crachera sur lui. Il sera fouetté et mis à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Salut Sarah. Salut. Salut. Et quelque chose a changé ici. Ouais, l'âne de Sarah a disparu. Mais non, je l'ai prêté à quelqu'un d'autre. Qui voudra ton vieil âne? Maître, demande à tes disciples de faire moins de bruit. Je te le dis, si jamais ils se taisaient, ce seraient les pierres qui crieraient de joie. Sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre. Pourquoi Jésus est-il si fâché ? Ils ont transformé le temple en un marché au lieu d'un endroit pour louer Dieu. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Et ils se dirigent vers mes bêtes. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! C'est pas beaucoup, ça. Allez, donne un peu plus. En vérité, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres. Car tous ont pris sur leur superflu pour mettre dans les offrandes. Mais elle, dans sa misère, a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Maître, tu parles et enseignes de façon correcte, sans tenir compte du statut social de tes auditeurs. Et tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Dis-nous, avons-nous le droit de payer l'impôt à l'empereur César, oui ou non? Attention, Seigneur, c'est un piège! Montre-moi une pièce d'argent. Une pièce d'argent? De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? César! Alors rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, vous dites quoi? Que répondez-vous à cela? C'est pire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On dirait qu'il achète à manger pour la Pâque.
J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le vin de la vigne. Prenez ceci et partagez entre vous. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang, versée pour vous. Mais voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. C'est impossible. Je ne peux pas y croire. Impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Maître, avec toi je suis prêt à aller en prison, et même à la mort. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par trois fois nié me connaître. Le conseil a pris sa décision. Jonathan ? Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que le règne de ce soi-disant roi arrive bientôt à sa fin. Je viens de recevoir un message du conseil. Un des disciples de Jésus, un homme qui s'appelle Judas Iscariote, a accepté d'aider à son arrestation. Comment l'ont-ils persuadé de faire une telle chose ? Ce n'était pas dur. Juste 30 pièces d'argent. Ce soir, ils vont arrêter Jésus et s'assurer qu'il ne s'échappera pas. Non. Pas ça, non. Judas. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Maître, nous avons nos épées. Allez, arrêtons-le. Assez, ça suffit. C'est un miracle. Vous êtes venus avec des épées et des gourdins comme pour un bandit. J'étais avec vous chaque jour dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais cette heure-ci est à vous. Et à la puissance des ténèbres. Arrêtez-le! Est-ce que tu vas nous sauver, Majesté ? Est-ce que tu vas nous sauver ? J'ai vu cet homme-là avec Jésus. Femme, je ne le connais pas. Je les ai vus ensemble. Hey,
tu étais avec lui, toi? Non, pas du tout. Cet homme-là était certainement avec Jésus, parce que lui aussi est galiléen. Oh, va-t'en ! Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Nathan! Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? C'est Jésus. Il est en danger. Viens, on doit trouver les autres. Dis-nous qui te frappe. Prophétise donc. Qui va te frapper? Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Emmenez-le au conseil. Allez! Dis-nous, serais-tu le Messie? Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose la question, vous n'y répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu très puissant. Tu es donc le Fils de Dieu? Oui, tu le dis. De quel droit parle-t-il ainsi? Comment il dit-il qu'il est le... Nous avons tous fait vrai dans ces paroles. Des choses comme ça. Amenons-le devant Pilate. Allez! Oui, oui, emmenez-le. Amenez-le! Ils amènent Jésus chez Ponce Pilate. Ponce Pilate, c'est le plus cruel de tous les gouverneurs romains. C'est lui qui a déjà mis à mort des milliers de gens en les clouant sur des croix. Allez. Et que cherchez-vous ici, d'aussi bonne heure le matin? Cet homme jette le trouble parmi notre peuple. Il a causé une émeute au marché du temple. Quelle sera sa punition? Condamne-le! Je n'ai aucune raison de condamner cet homme. Aucune raison. Il est coupable. Il conseille de ne pas payer d'impôt à l'empereur. Et il prétend être le Messie, un roi. Un roi? Serais-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Il a commencé en Galilée et il est venu jusqu'ici. En Galilée? Est-ce que cet homme est un Galiléen? Dans ce cas, il faut que Hérode s'en occupe. Il est encore à Jérusalem, n'est-ce pas? Emmenez-le, Hérode! Eh bien, qui donc prétends-tu être? Qui sont ceux que tu appelles tes disciples?
Beaucoup disent que tu accomplis des miracles. Fais-en un pour moi. Majesté, il est accusé de corrompre notre peuple, et il prétend être un roi. Cet homme-là, un roi ? Votre Majesté... Frappez-le, fort ! Renvoyez-le à Pilate. Nous sommes dans sa province. Cet homme n'a rien fait qui mérite la sentence de mort. Je vais le faire fouetter et le relâcher. Nous avons obtenu que tu nous rendes un prisonnier à chaque fête de la Pâque. Alors relâche-nous, Barabbas. Oui. Oui, Barabbas. Et fais mourir cet homme. Oui, rends-nous Barabbas. Crucifie-le ! Oui ! Crucifie-le ! Bam ! Bam ! Fouettez-le ! Écartez-vous! En arrière! Avance quand je te le dis! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le tuer? Lève-toi! Lève-toi! Toi! Quel est ton nom? Je m'appelle Simon de Cyrène. Viens par ici. Mon père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Oui, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Montre-nous un de tes miracles. Ah.
Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Il y a écrit « Roi des Juifs ». Si Jésus est roi, pourquoi ils lui font ça ? Je ne sais pas. Jonathan ? Serait-ce possible? Qu'il soit le Messie? Qu'est-ce qui se passe? Entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai préparé une tombe pour le maître. Puis-je prendre son corps ? Tu peux le prendre. Pardonne-nous, mais nous suivons le corps de notre Seigneur. Je vous aiderai. Mais dépêchons, le sabbat va commencer. Je n'arrive pas à croire qu'on ne verra plus Jésus. Attends une minute. Tu ne te rappelles pas ce que Jésus nous disait toujours ? Quoi ? Je m'en rappelle. Mais oui, il disait qu'après 3 jours, il serait de nouveau vivant. Regardez ! La pierre a été bougée ! Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Écoutez, la pierre était roulée. Nous sommes entrés. Il n'y avait plus rien, plus de... corps. Rien ? Et... deux hommes nous sont apparus. Des anges tout brillants. Comme le soleil. Et ils ont dit... Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?
C'est vrai. C'est pas possible. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, croyez-moi. Allez voir vous-même. Le tombeau est vide. Notre Seigneur n'est plus là. C'est vrai, Pierre. Il faut nous croire. Le Seigneur est vraiment ressuscité! Il est apparu à Simon! Nous ne l'avons pas reconnu. Pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, oui. À Emmaüs? Il est allé là-bas? La paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez, mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes, devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Quand Caleb m'a dit que Jésus était le Fils de Dieu, je ne l'ai pas cru. Mais ensuite, j'ai vu ces miracles incroyables. Et je l'ai entendu parler de l'amour de Dieu. J'ai aussi vu les choses terribles qu'ils lui ont fait. Ils l'ont battu. Ensuite, ils l'ont cloué sur la croix. Je l'ai vu mourir. Je les ai vus descendre son corps et l'emporter. Je croyais ne plus jamais le revoir. Mais quelque chose de merveilleux s'est passé. Dieu a gardé sa promesse de ressusciter Jésus. Il nous dit que si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, alors nous vivrons avec lui, maintenant et à jamais. Je suis heureux parce que c'est ce que je veux faire. Quelle belle histoire! Et le plus étonnant est que tout ce que tu viens d'entendre et de voir au sujet de Jésus est vraiment arrivé. Comme Caleb, Joël, Nathan, Léa, Benjamin et Sarah, peut-être t'es-tu posé la même question. Qui est Jésus? Tu as vu comment Benjamin a réalisé que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui nous montre Dieu et qui a pris notre punition sur lui en mourant sur la croix. Tout comme Jésus était ami avec toutes sortes de gens, il pouvait aussi être l'ami de Benjamin. Jésus est revenu à la vie. Donc Benjamin savait qu'il était plus fort que la mort. S'il devenait son ami, il savait qu'il serait avec lui dès maintenant et pour toujours. Mais tout d'abord, il devait demander pardon à Jésus pour son manque de foi en lui et parce qu'il ne vivait pas comme Dieu le demande. Benjamin a décidé de devenir un membre de la famille de Dieu avec Jésus. Et toi? Jésus est encore vivant aujourd'hui. Veux-tu lui demander pardon et qu'il fasse de toi un membre de la famille de Dieu? Peut-être te dis-tu, je ne comprends pas. Ou je voudrais en parler avec papa et maman. Ou je dois y réfléchir un peu plus. Peut-être pourrais-tu parler avec quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu et lui poser tes questions. Peut-être ta réponse est oui, et tu veux connaître Jésus. Tu peux demander pardon à Jésus dès maintenant, pour toutes les mauvaises choses que tu as pensées, dites ou faites, pour avoir tourné le dos à Dieu et avoir vécu comme tu l'entendais.
C'est ce que la Bible appelle le péché. Si tu veux faire partie de la famille de Dieu pour toujours, tu pourrais lui dire quelque chose comme ça. Dieu, je crois que Jésus est ton fils. Merci car Jésus est mort sur la croix pour toutes les mauvaises choses que j'ai dites, pensées ou faites. Pardonne-moi mon péché. Je t'ai tourné le dos, j'ai vécu à ma façon. Je veux faire partie de ta famille et je te confie toute ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci, car je peux te parler n'importe quand. Merci pour ta réponse. Ce qui est formidable, c'est que Dieu garde ses promesses de t'aimer, de te pardonner et d'être avec toi pour toujours. Ça serait bien aussi de le dire à quelqu'un, ta mère, ton père ou ton ami. Quand tu décides de connaître Jésus, tu commences une grande et nouvelle aventure avec la personne la plus importante qui soit. Voici de quoi t'aider. Prends le temps de lire ce que Dieu a écrit dans son livre, la Bible. Essaie de la lire un peu chaque jour. C'est la meilleure façon d'apprendre à mieux connaître Jésus et à vivre comme il le souhaite. Parle à Dieu. Tu peux lui parler de tout, n'importe quand et n'importe où. Il t'écoutera. Jésus appelle cela la prière. Ce qui serait bien, c'est que tu rencontres d'autres personnes qui connaissent Jésus comme leur ami. Vivre comme Dieu le demande n'est pas toujours facile et ils pourront t'aider et t'encourager. Et comme Caleb, tu trouveras que c'est bien de parler de ce que signifie Jésus pour toi à tes amis. Ça m'a fait plaisir de te raconter la vraie histoire de Jésus. Et rappelle-toi, où que tu ailles, quoi que tu fasses, quand tu es un membre de la famille de Dieu, il est toujours avec toi.